Capitaine, faites vite! Je suis contente que vous soyez de retour, mais je vois bien que vous êtes entré dans la grâce. Je vous avais dit pourtant. J'espère que Joseph vous a donné ce que vous vouliez, mais on a un nouveau problème. C'est Rush. Il a disparu, je sais pas où il est. Il a dit qu'il partait en reconnaissance, mais il est jamais revenu. J'ai un mauvais pressentiment. Je vous en prie, essayez de le retrouver. Je m'occupe des gens ici. Et faites attention. T'as la tête dure, lapin. On t'avait dit d'arrêter tes conneries. T'as pas écouté. On a enlevé tes amis, on a pris Rush. Viens nous voir à l'ancienne usine d'engrais. Vous allez tous avoir droit à une leçon. Mais Rush et toi, vous nous causiez beaucoup trop de problèmes. Alors on a dû prendre les choses en main. C'est bien triste. Maintenant, c'est à nous de te poser des problèmes. Tes amis comptent sur toi ici. On va leur montrer à quel point tu peux être un putain de fléau. On est tout seul, maintenant. Le temps presse. Regarde-les là-bas. Cette porte va pas s'ouvrir toute seule.
t'ai prévenu. Mais Rush et toi, vous nous causiez beaucoup trop de problèmes. Alors on a dû prendre les choses en main. C'est bien triste. Maintenant, c'est à nous de te poser des problèmes. Tes amis comptent sur toi ici. On va leur montrer à quel point tu peux être un putain de fléau. Le temps presse. Regarde-les là-bas. Cette porte va pas s'ouvrir toute seule. Garde l'œil ouvert pour saisir la moindre occasion. Rejoins-nous à l'intérieur, championne.
Restez pas là! Vite! Ça me rappelle quelque chose. Comme une grosse impression de déjà-vu. Du calme. Reste avec nous. Ah, regarde un peu. Tu vois comme c'est facile de s'entendre avec nous? C'est ça que je voulais te faire comprendre. Je voulais que tu te rendes compte que ça aurait pu se finir autrement si t'avais choisi de nous laisser tranquilles, comme on te le disait. Pas de chance. C'est le bâton que t'as préféré. Le voilà. Oh merde! Maintenant, je vais devoir passer la nuit à enlever ses rêves et ses espoirs de mes godasses. Oh, tu sais... Juste avant que tu débarques, la vie qu'on avait était absolument parfaite! Et tout à coup, voilà que tu te pointes dans ton joli petit train avec ton petit monde et t'essaies de faire de cet endroit un truc qui n'existera jamais! Quand on essaie de se montrer gentil et raisonnable, tu trouves rien de mieux à faire que de remuer la merde! Et encore! Ça, parce que t'as cru que vous auriez un avenir, toi et tes amis! Mais il n'y a pas d'espoir! T'as pas d'avenir! Pour personne ici! Michel, Louise, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Non, de toute façon, tu viens pas avec nous. J'ai pas le choix. Votre père... Papa dit que si t'es pas avec nous, c'est que t'es contre nous. C'est pas aussi simple. Si, c'est simple. Faut que j'y aille, maman. Y a papa. Michel... Ta sœur et toi, vous devez vous protéger, parce que votre père le fera pas. Il a des grands projets, mais tout ce qu'il fait finit toujours dans la violence. Papa résout les problèmes. Il les crée. Il laisse une traînée de cadavres derrière lui. Il se fout de faire des victimes. Ne finissez pas comme lui. Promettez-moi que vous ne deviendrez pas comme lui. Ouais, maman. Merde, t'as vu ça? Ça vient d'où, cette force surhumaine? Tout était normal jusqu'à ce qu'elle aille au nord. Il est peut-être temps qu'on pose des questions aux cinglés.
suis désolée. Je suis désolée d'être montée dans ce train. Je suis désolée de vous avoir conduit à Hope County. On vous oubliera jamais. Vous avez pris des risques pour nous, et ça vous a coûté la vie. Tout est de ma faute. Vous serez fiers de nous, Roche. Je vous en fais la promesse. C'était un type bien. Altruiste. Et vous, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Putain, les jumelles ont toujours un coup d'avance. Il nous faut une autre approche. Je vais aller parler à Carmina. Si vous voulez que je vous explique mon plan, revenez me voir. J'ai eu des doutes quand les ravageurs nous ont affaiblis. Mais on a su relever le défi au lendemain. On est tous bouleversés par la mort de Rush, mais on doit continuer. Même si je déteste l'idée de parler à Joseph, je dois bien admettre que l'attaque du Nouvel Éden contre les ravageurs nous donne l'occasion de les prendre par surprise. Je parlais aux éclaireurs. Il paraît que les ravageurs organisent des combats pour faire des paris près des anciens vergers. Le promoteur là-bas prétend être un proche des jumelles. Je sais pas si c'est vrai, mais ça vaut le coup d'aller voir. We'll be right back.